Bonjour et bienvenue ici au Paris Games Week que vous allez vivre sur Gameblog.fr toute cette semaine. Ça va Julo, ça va Raon? Ah ça va super bien, j'ai vu Michael Jackson. Ah bah tu vas nous en parler justement car c'est effectivement la version de Michael Jackson, The Experience, était présentée juste derrière nous en avant-première sur Kinect. Aujourd'hui pour la presse, à l'heure actuelle on ne sait pas encore s'il sera sur le Paris Games Week. Ça va Raon? Ça va et toi? Qu'est-ce que t'as vu de beau toi, à part ton verre de champagne? Bah écoute, à mon avis le truc à voir pour le salon, pour les gros gamers qui aiment le shoot, c'est quand même Gears 3. Parce que mine de rien, il est jouable, etc. Et il n'y a pas eu des masses de salons et d'événements où on a pu y jouer pour l'instant, sachant qu'il a été quand même repoussé récemment. Donc s'il y a un truc à voir pour moi, en tous les cas personnellement, ce sera Gears 3. Alors le Paris Game Show, c'était un peu le Paris du sel, vous le savez, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, qui ont ratiboisé le festival du jeu vidéo, on peut le dire, et le Micromania Game Show qui n'aura plus qu'une petite journée, le lundi 1er novembre. Ça commence donc dès aujourd'hui hein, pour vous, de mercredi à dimanche. Et c'est gigantesque, hein, c'est sur le hall 1 de la porte de Versailles à Paris. Donc c'est absolument gigantesque, c'est quasiment 200 000 m2. C'est énorme, le stand de PlayStation qui est juste derrière nous. 1500 m2 de stand. 1500 m2, donc c'est très compartimenté. On s'inquiète un petit peu sur les allées qui sont un petit peu petites. Étroites, ouais. Un petit peu étroites. Cela dit, vraiment, c'est gigantissime. C'est plus gros que le festival du jeu vidéo. C'est vraiment très, très grand. Tout le monde est là. Et les stands sont vraiment bien garnis, riches, visuellement très classe. Ouais, carrément. Non, c'est vrai, vraiment, le stand PlayStation, le stand Microsoft, Nintendo est là aussi. Nintendo n'est pas toujours là. Nintendo est là pour le 25e anniversaire de Mario. Il y a des bagnoles qui sont partout pour GT5, c'est un vrai show quoi, et c'est un vrai petit E3 à Paris finalement, c'est assez sympa. C'est un E3 pour vous hein, les joueurs, parce qu'effectivement, il n'y aura pas d'annonce majeure, il n'y a pas de surprise cosmique. Gran Turismo 5 est juste derrière, ça c'est quand même une belle surprise, parce qu'enfin ça y est vous allez pouvoir y jouer, mais justement vous allez pouvoir jouer à tous les jeux de Noël et tous les jeux qui vont arriver un peu après, comme les Deus Ex Human Revolution par exemple. Il y a quand même Gears of War 3 et ça c'est une avant-première. T'as pas entendu mais il l'a dit, alors il y a du bruit, je sais. Mais on s'entend pas. Et comme vous l'entendez, Julo a déjà perdu sa voix. Ouais, c'est très difficile de parler, ça risque d'être pareil pendant tous les jours du Paris Game Show, mais c'est vrai qu'effectivement il y a Gears of War 3 et c'est l'un des gros trucs. Il y a aussi Michael Jackson, je tiens à le préciser, qui est là avec la version Kinect. Alors ça on l'a déjà dit aussi Julo, mais il y avait beaucoup de bruit. Epic Mickey, on l'a déjà fait Epic. Voilà, il y a Epic Mickey effectivement qui est présenté ici en jouable. Et c'est justement aussi ça hein, pour beaucoup de personnes, le Paris Games Week dans les dernières semaines, on vous annonçait, et c'est une réalité, beaucoup de VIP qui vont arriver, des Thomas Sisley, des Karine Ferry et compagnie, mais c'est surtout aussi des créateurs qui sont là. On a croisé, on a pu parler rapidement avec David Cage. Il y aura aussi Warren Spector, donc de Epic Mickey qui sera présent. Les développeurs. Je vais le dire parce que comme voilà. Ça c'est fait. Rui Wirasuriya qui est donc le créateur le directeur créatif de God of War Ghost of Sparta, qui est aussi jouable ici. Il y a, on avait dit que Nicolas aussi. Ouais, il y a les développeurs de Deus Ex Human Revolution qui sont là. Il y a Peter Molino qui est là pour Fable 3. En gros voilà, c'est un salon pour vous les joueurs et un salon pour aussi les développeurs pour vous montrer sur la grande scène à chaque fois eh bien, un peu les temps forts. Alors voilà. Ce qu'on espère, c'est que le salon se passe bien. C'était effectivement visiblement difficile de cohabiter avec plusieurs salons. On va prendre le pouls cette année vraiment de cette première édition du Paris Games Week. On lui souhaite plein de bonnes choses. On en saura plus dans quelques jours. Hein. En tout cas, effectivement, rien que cette soirée en avant-première avec juste les journalistes et les invités, déjà, il y a énormément de monde. C'est un bon signe, en tout cas, pour le succès grandissant en France du jeu vidéo. On le sait qu'aujourd'hui, c'est quasiment 30 millions de personnes qui jouent en France au jeu, ça donne des petits frissons, on est de plus en plus nombreux, le jeu vidéo a déjà gagné, mais il ne le sait pas encore. Eh ben si, commence à le comprendre. Allez, rendez-vous sur Gameblog toute la semaine, et aussi au Paris Games Week, hein, pour ceux qui passeront, rendez-vous sur le centre Deus Ex, on risque de se voir un peu. Allez, ciao, on vous fait des petits reportages, des tours de stand toute la semaine, à bientôt, ciao. À bientôt.